Le tournoi du croiseur de combat bat son plein. Et les adversaires n'ont qu'une seule idée en tête, prouver qu'ils sont les meilleurs. Le moment est venu pour ces bladers et leurs toupies de se lancer dans une nouvelle aventure fantastique, en mode turbo et au-delà. J'avais décidé de m'entraîner sérieusement avant mon combat contre Valtaoy. Oui, monsieur. Je crois que c'est... Non, j'y crois pas. Xander Chacadera. Avant de commencer, nous allons mesurer ton niveau actuel. Essaie de les combattre tous les trois. On va commencer par 100 combats. Le centième match. Qui a envie de m'affronter? Cette fois, ce sera moi. Maintenant! Explose-le! Avec fouet turbo! Bon, la route a été longue. Mais mon match pour le titre de champion du monde a enfin commencé. Prêt pour un combat? 3, 2, 1, hyper vitesse! Valtiek gagne de la vitesse! Allez, fonce, Valtiek! Pas mal joué. Oh non! Le premier point revient à Aigle. Ouais! Je n'aime pas ça. Oh! Non. Sois ce héros que le monde réclame. Fais tourner ta toupie, prends part au combat. Hyper vitesse, mais et toute ton âme. Beyblade Turbo, la victoire est tout. Quelque chose ne va pas. Un problème, papa? Non, rien. Aigle est un blader exceptionnel, n'est-ce pas? Oui, l'un des meilleurs qui soit. Ce sera terminé au prochain combat. Tu t'es amélioré, Aigle. Ça ne fait aucun doute. Oui, tu peux le dire. Et ça ne fait encore que commencer. Un jour, je sais que je serai le meilleur blader du monde. Ah oui, je me souviens que t'as dit ça quand on s'est rencontrés. Alors, tu veux toujours réaliser ton rêve? Oh oui, plus que jamais. Parce que je sais qu'on est les meilleurs. Mais pas de bol, j'ai quand même l'intention de gagner ce match. Et moi, de faire exploser ta toupie pour devenir le nouveau champion du monde. Écoutez-moi cet échange. Notre challenger Aigle est en train de défier le champion du monde. Alors là, j'espère que vous êtes à l'écoute, parce qu'ici ça commence à chauffer. Le match pour le titre entre Valt et Aigle est acharné. C'est un combat que vous ne risquez pas d'oublier. Valt ne va quand même pas perdre son titre de champion du monde? Mais non, je suis sûre qu'il va gagner sans problème. Tu vas voir qu'il va marquer des points pendant le prochain combat. Allez Valt, on est tous avec toi. Attention, deuxième combat.
Pour celui-là aussi, je vais utiliser le mode défense. Le deuxième combat commence! Et c'est maintenant que le destin de ces deux blédeurs va se jouer! À vos marques! Prêt? 3, 2, 1! Hyper! Et ce sont deux superbes propulsions qui entraînent les toupies dans l'arène à pleine puissance! C'est parti! Défense 7! T'es pas le seul à t'être amélioré depuis tout ce temps. Je me suis entraîné en affrontant les blédeurs les plus puissants qui soient. Oh! Aquiles pourra-t-il résister aux attaques successives de Valtryek? Qu'est-ce que tu crois? Jamais tu ne vaincras Aquiles avec des attaques aussi timides. Vous avez vu comme il bloque les attaques? Son entraînement porte ses fruits. Continue comme ça, Aiger. Oui, c'est toi le meilleur. Bravo, grand frère. On est sûr que tu vas gagner. Je choisis plutôt bien mes rivaux, n'est-ce pas? Tu crois que tu es exceptionnel? Mais tu peux bien devenir aussi fort que tu veux. Je serai plus fort encore et je te vaincrai. Moi, je crois que ce sera plus dur que tu le penses. Valtryek a été repoussé et c'est maintenant au tour d'Aquiles de le poursuivre. Quelle fabuleuse démonstration de talent! Valtryek utilise la rampe la plus courte pour prendre la tête. Propulsion super ailée! Wonder Valtryek l'emporte par KO explosif. Le score est maintenant de 2 à 1. Ouais, voilà ce qu'on sait faire, Valtryek et moi. Il a gagné. Pas tel meilleur. T'as vu comme il a pris sa revanche cette fois? Oui, il n'est pas prêt de céder son titre à qui que ce soit. Nom d'une toupie explosive! Valt vient de nous rappeler avec brio ce qui fait de lui un exceptionnel champion du monde. Je m'y attendais. Tu fais du beau travail, champion. Oh. Tu vas avoir besoin de ça. Oh. On reprend? C'est quand tu veux. Oh. Valt! Oh. J'en ai assez! Je veux en finir avec toi! Il y a en lui quelque chose de différent. Regarde Aiger fixé sur le champion du monde, exprime une volonté inébranlable. Il est d'une intensité presque effrayante. Valtryek, on reprend le combat. Et c'est reparti. Ces deux superbes blédeurs sont sur le point de commencer le troisième combat. Aiger arrivera-t-il à remonter ou le champion du monde conservera-t-il son titre? Je vais gagner. Je vais gagner. Je vais gagner quoi qu'il m'en coûte. Aiger. Je vais l'achever en une seule attaque. Oh oh, il est en mode attaque, il veut gagner le plus vite possible. Quel fascinant face à face, bien digne de la ténacité d'Aiger. Je vois que t'es bien décidé à remporter ce match. Eh bien vas-y, je t'attends de pied ferme. Troisième combat. À vos marques, prêt? 3, 2, 1! Hyper vitesse! C'est fini pour toi! Une fois de plus, les attaques se succèdent! Les deux blédeurs ne cèdent pas un pouce de terrain et lancent des coups dévastateurs! Je vais t'avoir! Fouet! La fin, Valt! Oh! Valtryek est en mauvaise posture! Est-ce un KO par sortie d'arène? Valtryek! C'est extraordinaire! Notre
champion continue à repousser toutes les limites. Super! Ouais! Je vais gagner. Je vais montrer à tous que je suis le meilleur du monde. Et voilà qui recommence. Puisqu'on est en train de parler de lui, qu'est-ce que tu en penses, Valt? Je suis certain d'une chose. Il va devenir encore bien plus fort qu'il ne l'est déjà. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, laisse tomber. Ce n'est pas très important. Free. Je vois maintenant. Le score est actuellement de 2 à 1, et le troisième combat fait rage. Notre challenger arrivera-t-il à remonter la pente et à remporter le match? Oui, je vais le remporter parce que je suis... Acculé! Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Sans parler de sa détermination. Non, ça n'a plus rien à voir avec la détermination. Les deux toupies sont montées sur la rampe. Tu vas être puni. J'arrive à peine à en croire mes yeux. Valtriek a été... Il est... Oh, comment as-tu pu, Iger? Victoire! Maintenant, le monde entier sait qu'Aquila est le plus fort de tous! Yeah! Valtriek est en morceaux. The Aquiles l'emporte par KO explosif. Avec un score final de 3 à 2, le vainqueur est Iger Akabane. Vous avez vu le score, il a vraiment vaincu le champion. Je rêve, cette tête brûlée d'Iger a vraiment vaincu Valt. J'ai cru en toi depuis le début. Félicitations, Iger. Hé, hey, Naru, on peut savoir pourquoi tu fais cette tête? Tu n'es pas heureuse pour Iger? C'est sérieux? Mon frère a gagné? Mais bien sûr qu'il a gagné! Bien joué, Iger! Le moment est solennel! Un nouveau
champion s'est révélé à la face du monde. Il s'appelle Aiger Akabane. Bravo, Aiger. Bravo. Le fruit est prêt pour la cueillette. Et le seul leader à posséder le droit de défier notre tout nouveau champion, c'est toi, Faye. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est insensé, il ne va tout de même pas renoncer à affronter Aiger. Tu vois, je te l'avais bien dit. Tu réalises maintenant qu'on est les meilleurs, Akile, c'est moi. Alors, c'est ça le Beyblade pour toi. Waouh, cette ceinture te va trop bien. Oui, c'est pas mal. Hé, hey, qui t'a donné la permission de la porter? Quoi, t'es jaloux, c'est ça? Le grand chef n'en peut rien si cette ceinture lui va mieux qu'à toi. Qu'est-ce que t'es susceptible, dis donc? N'importe quoi, c'est à moi qu'elle va le mieux, compris? Hé, hey, calme-toi, champion. De toute façon, je te la faucherai bientôt dans l'arène. Alors, s'il te plaît, essaie de ne pas l'abîmer d'ici là, tu veux bien? Tu rêves? Jamais je ne te céderai cette ceinture. Ça va, c'était juste une plaisanterie. C'est pas cool. Il fallait pas me la prendre sans me demander. Oh. Ne triomphe pas trop vite, Aiger. Un jour, je te prendrai cette ceinture. Et en attendant, je t'interdis de la donner à quelqu'un d'autre. T'inquiète, et viens me voir quand tu seras prêt à perdre. Je suis toujours partant pour exploser des toupies. Hé, hey, qu'est-ce qui te tracasse? Oh, rien, rien. Ça n'a pas d'importance. Hé, hey, Fubuki, tu peux essayer ma ceinture si tu veux. Merci, je passe mon tour. J'attends le jour où je la porterai officiellement. J'espère que t'es patient parce que c'est pas pour demain. Plus jamais je ne perdrai un seul combat. Hé, hey, Aiger, je peux tenir un peu ta ceinture? Bien sûr, tiens, la voilà. Ouh! Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle! N'est-ce pas? Hé, hey, Kiyama, il va falloir que tu veilles bien sur lui. Hein? Pourquoi tu me dis ça maintenant? Aiger, ce n'est peut-être rien, mais j'avoue qu'il m'inquiète. Pourquoi il t'inquiète? Je t'en prie, reste sur tes gardes. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, mais tu peux compter sur moi. Pour moi, je voudrais la toupie la plus puissante du monde. Désolé, Aiger, mais c'est encore trop tôt. Tu as fait une toupie pour Valt. Pourquoi refuses-tu d'en fabriquer une pour Aiger? C'est dur à expliquer, mais je suis inquiet pour lui. Je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Oh. Merci, papa. Hé, hey. Aiger, tu t'amuses en jouant au Beyblade? Hein? Pourquoi tu me poses cette question? Eh bien, je... Je peux vous aider? Oh, merci! Oh, tout ça s'est passé tellement vite. J'ai l'impression qu'on vient de monter sur le bateau. Oui, en tant que passagère clandestine dans ton cas. Oui, c'est vrai. Nous avons fait une drôle de tête, ta maman et moi, en apprenant que tu étais à bord. La prochaine fois, préviens-nous au moins. Mais tu dois quand même avouer que j'ai drôlement bien fait. J'ai vécu la grande aventure de ma vie. T'as raison, on a vécu des choses extraordinaires. Le béathlon, c'était formidable. Et j'oublierai jamais ce qui s'est passé sur l'île déserte. Moi, j'aimerais oublier le vaisseau fantôme. J'avais jamais eu aussi peur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai adoré. Ça ne m'étonne pas. Oh, et en parlant de peur, tu sais que tu étais effrayant pendant ton match contre Valt? Hein? Non, t'es sérieuse? Dis-lui, papa, il nous a fait peur, pas vrai? Tu le penses? Tant mieux. Ça veut dire que Valt aussi a sûrement eu peur de ma turbopuissance. On peut pas le lui reprocher. Je vais aller aider pour les préparatifs de la fête. Ange a trop de travail, elle peut pas tout faire toute seule. Ange? C'est la dame qui s'est occupée de vous, n'est-ce pas? Je vais aller la remercier en personne. À plus tard, et merci de m'avoir aidé. Pas de soucis. Viens nous rejoindre quand tu auras fini. Oui, promis.
Voilà, c'est presque terminé. Et qu'est-ce que... Fight! Explique-toi. Pourquoi tu n'as pas voulu me combattre? Ces combats pour un titre dérisoire ne m'intéressent pas. Alors qu'est-ce que tu cherches? Je veux vivre ce moment sublime où une toupie puissante est réduite en pièces. Et personne ne pourra m'en empêcher. Je t'ordonne de tout faire pour rendre ta toupie digne d'être détruite. Ton cher Achilles a éveillé l'intérêt de Phoenix. On dirait que ta toupie aussi a envie d'affronter la mienne. Achilles n'est pas le seul à avoir envie de passer à l'attaque. Je suis prêt à t'affronter quand tu voudras! Cette fois, ce sera différent! Je vais exploser ta toupie, je te le promets! Tu ferais mieux de dire adieu à Achilles. Inutile, il s'en sortira très bien! Achilles, maintenant nous formons une équipe invincible. Fai va bientôt la prendre à ses dépens. Et après lui, nous défierons tous ceux qui se présenteront. Hein? Quoi? Qui es-tu? Dans le prochain épisode de Beyblade Burst Turbo, Hadès, le prince des ténèbres. 3, 2, 1, hyper!